Passez la barrière, vous cachez 200 mètres dans le bois, mais vous gardez un visu sur le chemin, sinon. C'est quoi ça? Ça, c'est le questionnaire. Ah, heureusement, une série de questions pour essayer d'obtenir les informations que le gouvernement ne veut pas nous donner. On n'est pas invité. On va être obligé de rentrer par les barrières, par l'enceinte externe. Et une fois qu'on sera à l'intérieur, on va essayer d'avoir des informations sur les bombardements de l'ISAF, de l'OTAN, aussi bien en Afghanistan et en Libye. Parce qu'on est persuadé donc qu'il y a des nombreuses pertes civiles qui ne sont pas communiquées au public, aux médias, alors que le citoyen doit être au courant des bombardements de l'OTAN dans ses missions à l'étranger. Ils ont mis des nouveaux barbelés. Ben, c'est qu'il y a des choses à cacher à l'intérieur. Et à protéger sur moi aussi. Du chemin. Je pense à peu près. Et on doit aller dans quelle zone? Par là, donc droit devant. Special Operation Headquarters. Pendant plus d'une heure, nos inspecteurs ont pu inspecter la base du Shape. Ils ont pu visiter plusieurs bâtiments et interviewer différentes personnes travaillant sur la base. Ils n'ont malheureusement pas eu plus d'informations sur les conséquences des bombardements de l'OTAN en Afghanistan et en Libye. C'est la raison pour laquelle, durant les mois à venir, ils devront continuer leur investigation en vue d'avoir plus d'informations. Fermer cette fois-ci. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.